Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'avoir choisi nos programmes. Bienvenue à vous sur Canal Algérie. Je suis ravi et heureux de vous retrouver avec l'ensemble de l'équipe du Studio 7 dans cet espace culturel, artistique. Nous écoutons cette belle voix du regretté Jamel Allem qui nous a quittés en 2018 à travers cette belle chanson Jawhara, un hymne à l'Algérie, à sa richesse, à sa diversité. Et dans ce numéro, nous allons bien évidemment rendre hommage à ces artistes qui ont contribué d'une manière significative au rayonnement de la culture algérienne, soit ici en Algérie ou au-delà des frontières algérienne. Je pense ce soir bien évidemment à Abdelkrim Ben Kharfallah, auquel on va ce soir bien sûr rendre hommage, car à la clé du débat de ce soir avec nos invités, vous allez avoir droit à un épisode de la première sitcom en Algérie, Pat Gazouz pour Azouz, signé Amr Tribesh, où on retrouve bien sûr le regretté Abdelkrim Ben Kharfallah aux côtés de Karim Zinasni, Hicham Mesbah, Dalila Hlilou et bien d'autres comédiennes et comédien algérien. Je vous invite à voir un extrait de votre épisode, la sitcom de bien sûr Amr Tribesh, la première en Algérie, Pat Gazouz pour Azouz, et on revient juste après pour accueillir nos invités de ce soir. روحوا انا ويماك وغدتك نخطبوا لك هذاك ماك شي سهل سمح الله. ولا حبيت تروح تخطب وحدك؟ معليش تخطب وحدك؟ تعرفني انا متفتح انا نفهم اللي جاني معاك. نفهم اللي جاني نفهمكم فهمتني بابا سبحان الله. وكيفاش فهمت بلي حاب نزوج؟ كيفاش فهمت؟ انا مانيش حاب نزوج يا بابا. انا لا تيب قرايتي حبيت نقرا انا حبيت نقرا ماكش حاب تزوج؟ لا 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 شهر مراك مراكش مليح مراك يعني نقرا يا بابا انا نقرا مانيش حاب نزوج. ماشي مليح هكذا تكونوا مع بعضكم قاعدين وتقصروا مع بعضكم وتشوفوا شي يخصو وش ما يخصوش اللي عنده مشاكل ولا ما عندوش مشاكل ماشي خير. اسمعي لهي بروحك شامي شامي بغدادي بغدادي انت لهي بناتك وانا بولادي فهمتي فرات شيك الهضره يحب يضحك بابا كل واحد مسؤوليتهم وربيتهم والدنيا جيت تهضر معايا هكذا اليوم قعدت معايا خمس دقائق خلاص وشي الهضره هذه راك تشوف كيفاش يهضر معايا يضحك كيف يضحك هذه الهضره هذه خلاص ليش الواحد ما يخرج ما يحوس ما نهار كامل ولا لصق في الدار هالخبيز هالطياب هالدراري هالتربيه جيت تهضر معايا هكذا ما يهضرش يما ما خلاص زعفت Oui, c'était justement des répliques échangées entre Dalila Hlilou et puis Hicham Mesbah et le regretté Abdelkrim Ben Kharfallah, plus de 50 années au service de la télévision, du cinéma et bien évidemment du théâtre. Ce soir, j'ai choisi deux personnalités connues dans le monde de la culture et de l'art en Algérie. J'ai le plaisir d'accueillir, après un bon moment de séparation avec moi à la télé, parce que vous aviez l'habitude d'être sur les plateaux consacrés au cinéma algérien, M. Abdelkrim Tazarout. Bonsoir, merci Bonsoir. D'avoir choisi d'être parmi nous ce soir. Merci. Et puis, juste à côté de vous, un ami à vous, bien Absolument. Sûr, quelqu'un qu'on a connu à travers les ondes d'Alger Chaîne 3, et puis après, dans des pièces théâtrales, avec bien sûr le regretté Abdelkrim, ou Krimou, comme Krimou. Vous aimez bien l'appeler, Ben Kharfallah, des nouvelles radiophoniques, puis des livres. Il s'agit bien sûr de Mohamed Badawi. Bonsoir et merci Bonsoir. D'avoir merci accepté de l'invitation parlé. De Canal Algérie. Je commencerai peut-être par vous, monsieur Tazarout, parce que vous qui écrivez tant sur les artistes, à travers bien sûr plusieurs ouvrages, je pense notamment à ce livre-là, Cinéma algérien, auteur, actrice sous les feux de la ronde. Aujourd'hui, quand on part sur les réseaux sociaux, notamment sur les moteurs de recherche, Google, Wikipédia, etc., si on tape le nom de Abdelkrim, Ben Kharfallah, on ne retrouve rien. Rien, absolument rien. On en a parlé plusieurs fois sur ce travail-là d'enregistrement de données, un travail qui permet à ceux qui veulent faire des recherches sur nos artistes de trouver des informations crédibles, fiables et vraies.
Qu'est-ce que vous en pensez, où est-ce qu'on en est avec cette question-là aujourd'hui? Je trouve que c'est tout à fait normal. C'est-à-dire, il ne faut pas compter uniquement sur les moteurs de recherche, sur Google. Il faudrait que le ministère de la Culture envisage sérieusement de faire un annuaire de nos artistes, que ce soit comédien ou acteur ou chanteur ou dramaturge. Il est important que ça se fasse parce qu'il y a des gens qui s'intéressent aussi à nos hommes de culture. J'aime bien rappeler qu'à la mort de Kiltoum, notre grande dame du théâtre et du cinéma, il y a des journalistes étrangers, notamment français, qui voulaient écrire sur elle. Donc, automatiquement, ils ont essayé de chercher, moteur Google, puis ils ont été au portail du ministère de la Culture. Ils n'ont rien, absolument rien trouvé. Et le déficit en cette matière est tellement important que même aujourd'hui, les journaux font des erreurs, par exemple... Sur les dates de naissance. Sur les dates de naissance, surtout même l'iconographie. Ils tapent un nom et parfois, donc, vous avez une autre image qui ressort. Je me rappelle qu'à la mort de l'Arabie Zekal, il y a certains journaux qui ont illustré son nom avec d'autres portraits, un autre portrait, autre que celui de... C'est tellement grave que c'est impensable. J'estime que nous avons en cette matière un déficit, en matière d'archives, déjà en général, et en matière donc d'annuaires, c'est-à-dire aujourd'hui un réalisateur étranger qui se présente, ou algérien qui voudrait faire un casting, il n'a pas d'adresse et donc généralement il s'adresse à des connaissances pour voir quels sont les acteurs ou les comédiens ou comédiens disponibles. Oui. Ça c'est... Moi j'ai une anecdote justement sur la mort d'Abdelkrim Ben Khalfallah Al-Rahmou. Il y a un journal assez sérieux qui publie une petite biographie et qui dit qu'Abdelkrim Ben Khalfallah jouait dans telle pièce. Et dans une autre réalisée par Jafar Bouzaroun, alors que Jafar Bouzaroun c'est le personnage qui l'avait pompé et que c'était moi qui ai écrit, mis en scène. J'ai trouvé ça vraiment très cocasse, en même temps dramatique. Oui. Dramatique. Dramatique. Mais il y a quand même des interviews. Moi, quand on travaillait ensemble avec Abdelkrim, je me suis quand même démené pour lui trouver des interviews. Il y a des interviews d'Abdelkrim Ben Khalfallah dans des journaux francophones, dans des journaux arabes. Il faut les trouver. Non, il faut taper les noms des pièces et ça va sortir. C'est pas évident. D'accord. Monsieur Tazaroult, la table est remplie, hein, et c'est tant mieux, vous êtes prolifique. Quand on voit vos ouvrages, vous consacrez l'essentiel de votre temps à chercher justement des photos de haute résolution, de dénicher bien sûr des informations, que ce soit ici dans les archives de la télévision ou les archives radiophoniques, pour offrir ce qu'on appelle l'information fiable, viable, qui pourrait éventuellement servir comme, une référence importante pour les générations à venir. Les artistes, ce soir j'ai commencé avec cette phrase de rendre hommage à ces artistes qui sont partis, même la question est pour vous, monsieur Bedaoui. L'essence même de cette émission-là, de ce soir, c'est l'idée que j'ai eue avec Bedaoui, peut-être avec vous, en disant... Finalement, quand Kelemo est parti, on n'en a rien fait, quoi. On a juste montré sa photo à la télé, mais on n'en a pas parlé, alors que le monsieur a consacré plus de 50 ans au service de la télévision, parce qu'il y a beaucoup d'archives le concernant sur des pièces théâtrales, des sketchs notamment, et puis, bien sûr, avec Amor Tribesh dans cette série qui est sortie dans les années 90. Et avec vous, monsieur Mohamed Bedaoui, qui est en réalité... Kelemo Ben Khalfallah. Kelemo Ben Khalfallah, c'est à peu près les personnages qu'il joue. C'est quelqu'un de très populaire, mais c'est un artiste complet. C'est quelqu'un qui a commencé déjà dans les années 50 à faire du théâtre avec
avec dans les années 50, 60, comme ça, il a fait même le conservatoire d'Alger, où il a été primé. Et toute sa vie, bon, c'est quelqu'un qui avait une famille à nourrir. Bon, il travaillait, il n'était pas tout le temps, il ne vivait pas que de ça. Quand il n'avait pas assez d'argent, il faisait autre chose. Oui. Il n'a pas attendu uniquement de vivre de son art. De son art. Mais c'est dommage, parce que c'est vraiment un géant de la comédie. Moi, j'ai eu le privilège de travailler avec lui, justement après une longue traversée du désert. Ouais. Qui a duré des, je sais pas, plus d'une décennie. Pour lui. Pour lui. Mmh. Et quand on a commencé, il s'est accroché comme un débutant. Mmh. Comme un débutant. La deuxième pièce, Jafar Bozaron, où il compait le rôle de Jeff Lachance. Et 2 heures. Je lui ai dit, je réduis, j'en avais une demi-heure. Allez, non. Je veux mes 2 heures. Il est resté 2 heures sans sortie de scène. Vous imaginez, il se changeait. Il avait quel âge? 69 ans. Le jour de son anniversaire, son 69e anniversaire, il joue une générale de pièces de théâtre pendant 2 heures sans sortie de scène. Ouais. C'est une performance pour Mais bien pour, sûr, pour mais c'est, mais, personne n'a relevé, mais c'est une performance d'acteur incroyable lors d'une générale. Alors le gars, il a commencé très jeune. Il a joué jusqu'à la fin et après mes pièces, heureusement, il a été rappelé. Quand je l'ai fait jouer, certains me disent « Ah, pourquoi tu le fais jouer ?» J'ai pas compris. Finalement, heureusement, d'ailleurs pour lui et pour moi, il a fait par la suite plusieurs travaux à la télé, il a fait des pièces de théâtre, des tournées. Mais c'est un immense acteur qu'on n'a pas su exploiter. Pourquoi ? Donc il faut interroger aussi la compétence des gens qui sont, je veux dire, qui dans cet appareil voilà, de production cinématographique, voilà, télévisuelle. Il faut interroger ça, parce que c'est pas normal qu'on passe à côté d'artistes comme ça dans différents domaines, que ce soit la musique ou bien les arts dramatiques. Mais moi, je témoigne qu'on a perdu un très grand acteur, comédien, qui peut passer du registre le plus comique au registre le plus tragique avec un égal bonheur. Et on est passé d'une pépite, quoi. C'est dommage. Vous m'avez confié une fois que le défunt Clément était un excellent imitateur, oui. et qu'il arrivait à imiter tous les accents algériens, d'Algérie. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Souvent déjà le Kabyle. Non, justement, dans Jafar Bouzaron, Jeff Lachance, il y avait une scène où je lui ai dit, moi je voudrais que tu fasses la même, c'est-à-dire tu la répètes, mais alors, on a eu droit à l'algérois, au Kabyle, à l'Ourané, au Mascaria, au Skikdi, au gars de Djelfa, mais c'était à mourir de rire. Effectivement. Il avait une palette. Miski était bien dans Kerimullah. C'était cet amour du jeu. C'est quelqu'un, quand vous le voyez sur scène, vous dites, il décuple. Il est très modeste, c'est quelqu'un, à peine s'il peut, si sa voix est audible, mais sur scène, ça devient un géant. Ouais. Malheureusement, on n'a pas vu tout. Mais effectivement, la scène avec les différents accents, d'ailleurs, j'étais un tout petit peu en retard, je l'ai cherché, j'ai l'enregistrement, je ne sais pas où je l'ai mis, mais c'est à tomber de rire. Monsieur Tazarot, en évoquant le fait que ce comédien arrive à imiter tous les accents de l'Algérie, c'est pour dire à quel point l'algérianité était importante, c'est-à-dire on arrivait à le comédien, l'interprétation arrivait à transmettre tous nos composantes identitaires et culturelles, et que le téléspectateur ou celui qui regarde une pièce théâtrale ou un film s'identifie rapidement dans l'œuvre artistique. On va évoquer, bien sûr, ce soir, on ne va pas oublier... Non, juste pour abonder dans le même sens, que nos artistes n'ont pas été exploités. Je me rappelle, et ça remonte à très loin, c'était lors d'une rencontre cinématographique à Constantine, donc dans les années, début des années 90, c'est d'aller... Kouiret me disait... C'est incroyable comment le cinéma algérien n'a pas exploité une figure comme Merouichet.
Quand on regarde bien, avec tout ce qu'on a avec Louis, mais on n'a pas beaucoup de films de Louis. En réalité, on a l'impression qu'il y a beaucoup de films. Il n'y a pas beaucoup de films de Louis. On n'a pas exploité. Alors, pourtant, vous mettez Louis dans l'affiche, c'est le succès assuré. C'est-à-dire, les gens partent au cinéma, voir Louis, vous le mettez au théâtre, les gens viennent le voir. Et pourtant, il n'a pas été exploité. Alors, pour différentes raisons, aujourd'hui, quand on regarde bien, avec un peu de recul, quand vous n'habitez pas à Alger, que vous soyez chanteur, comédien, acteur, etc., vous n'êtes pas sollicité. Vous remarquerez, vous n'êtes pas sollicité. Les gens sont sollicités quand il y a un tournage, par exemple, quand vous avez un tournage à Constantine, on fait appel aux comédiens du théâtre de régional de Constantine. Mais Crimon et Rouichet étaient des gars d'Alger. C'est une des raisons. Oui. Après, vous avez la personnalité du... C'est surtout ça. Rouichet était réputé pour être quelqu'un de difficile. Déjà, le grand Khadr Hamina avait du problème avec lui dès le départ avec Hassan Terro. Et... Rouichet lui disait, moi je vois la mise en scène de telle façon, et Hamene lui disait, non, moi je la vois comme ça. Et Rouichet lui propose un deal, lui dit, écoute, tu filmes de deux manières, et tu verras quelle est la meilleure. Et Hamene s'est rendu compte que ce qu'avait proposé Rouichet était meilleur. Et dans pas mal de films, Rouichet était en conflit. D'abord, c'est lui qui écrivait les scénarios. Et il était en conflit avec les réalisateurs pour la mise en scène. Mais c'est, je tiens aussi à répéter que l'absence d'annuaire, l'absence de fichiers pour les castings, ça c'est fait que, bon, on oublie des noms parfois. On raconte ici que quand vous ne fréquentez pas le boulevard des martyrs, vous n'êtes pas pris dans les... Pour les sites com et pour... Il fallait être là. Concernant maintenant ces artistes qui disparaissent, il y a peut-être des archives. Ils ne sont pas classés. Vous avez aujourd'hui un décès. Vous n'avez pas l'INA, par exemple, où vous appuyez sur un bouton, vous avez des documentaristes qui vous ramènent la matière. Donc, selon vous, il faut travailler dessus, il faut qu'il y ait une culture. Bien sûr, moi je me rappelle au décès spécialisée, de... dédiée qu'à ce travail-là. Absolument. Je me rappelle au décès de Cathy Biessine, la télévision n'avait pas de quoi illustrer, même pas une photo. Pour Mouloud Mamdi, la même chose. Heureusement que Dahan avait fait un documentaire. Kamel, oui. Kamel Dahan avait fait un documentaire sur Cathy Biessine, c'était... Et bon, ils sont nombreux, ces artistes qui ont disparu sans qu'ils aient laissé des traces. Ouais, mais heureusement parce que les archives existent. Moi, je me rappelle avoir cherché des archives à la télévision pour Lachmi Garouabi, je n'en ai pas trouvé beaucoup. C'est-à-dire, il en existe, parce que de temps en temps, on voit des... Mais ce n'est pas classé. À la radio, c'est plus grave. À la radio, c'est plus grave. Parce qu'avant, c'était enregistré dans des bandes, des entretiens ou des émissions, et on effaçait les bandes pour produire d'autres émissions. Imaginez le nombre d'artistes qui ont été interviewés, des étrangers, de grands noms, de Claude Nougaro, je parle de Moustaki, de Nougaro et autres. Et qu'on ne retrouve peut-être qu'on ne retrouve pas plus. Aujourd'hui. En tout cas, je pense qu'au niveau de la télé, un travail qui est en train de se faire, mais d'une manière très sérieuse et très élaborée concernant la récupération, la réparation et le sauvetage et la sauvegarde, bien sûr, de nos archives. Le ministère, par exemple, a entamé la numérisation de quelques films, mais on s'est arrêté à une quinzaine de films. Alors que, bon, on en a beaucoup plus. Il y a plus. Une deuxième vague de 15 films qui a... Ça demande... Oui, il faut faire vite aussi. Il y a des films qu'on a perdu des traces de films. En tout cas, c'est pour dire à quel point il est important aujourd'hui de préserver cette mémoire-là. Patrimoine. C'est un patrimoine, effectivement. Justement, la question s'adresse à vous, Badawi, puisque vous parlez de préservation, de sauvegarde, etc. Vous qui avez travaillé avec Kelemo, justement, sur deux pièces théâtrales, Madame Derbouka et Jeff Bouzaron, qui ont été...
présentée dans des salles au public, notamment Ben Zeidoun. Il a connu malheureusement cette malheureuse chute. Oui. Quand il est tombé, ça lui a coûté une fracture. Non, il s'était effilé un tout petit voilà, peu. Voilà, la côte. Heureusement, on l'a échappé. Est-ce que justement vous avez pensé à filmer ces représentations-là? Pour les garder, pour les produire, pour les diffuser. Aujourd'hui, par exemple, c'est vrai qu'il y a l'avènement des réseaux sociaux avec YouTube, par exemple, c'est très facile d'échanger. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Est-ce que ça a été fait? Ben oui, quoi. Bon, ça a été fait, mais de manière assez rudimentaire, parce que, j'explique que moi, j'ai pas eu de budget, ni du ministère de la Culture, ni de rien du tout. C'est-à-dire, c'était vraiment des travaux à faire avec des bouts de ficelle. J'adore ça, travailler avec les restants. Oui. Alors, malheureusement, j'avais pas aussi les moyens de production pour filmer la pièce. J'ai à chaque fois, même les répétitions, j'ai des traces, mais pas avec un matériel qui permet leur exploitation. Mais j'ai des traces quand même. J'ai gardé des traces de Clément en train de répéter, de jouer. Malheureusement, la qualité de l'image n'est pas extraordinaire, mais les traces sont là. Oui, c'est important. Peut-être tu peux se rapprocher aussi de la télé pour récupérer ces images et les présenter dans des émissions pareilles ou pour ceux qui veulent éventuellement faire des documentaires sur ces icônes-là du cinéma, du théâtre, de la chanson également. J'ai envie de parler aussi de Mohamed Lamali parce que le jour de son départ, vous n'étiez pas là malheureusement pour des raisons de santé. On s'est appelé au téléphone, vous m'avez dit que dès que vous serez à Alger, vous venez dans cette émission pour nous parler. D'ailleurs, quand on voit votre ouvrage, Lamari, le ténor de la Casbah, c'est ce qui a été repris, mais d'une manière contagieuse sur les tabloïds, sur même les sites algériens et même étrangers. C'est la jaquette ou c'est la couverture de votre magnifique livre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur... Ou quel est le point commun, parce qu'on a parlé dans les coulisses, sur le point commun entre ces deux artistes-là. Mohamed Lamali qui a connu bien sûr un grand succès dans sa carrière, mais en même temps aussi Kelimou qui a été aussi adulé par le public algérien, mais dans un registre moins productif. Hein, je ne sais pas si vous me comprenez. Quel est le point commun? C'est cette envie d'être tout le temps sur scène, jouer. L'envie d'être sous les feux de la rampe. Mm. Ça, c'est exceptionnel quand on parle de Lamari. Mm. D'abord, il a commencé très jeune. Oui. À 13 ans déjà, il faisait les radios crochets. Il a décroché le premier prix. Il a gagné un gigot et fièrement, il est passé chez lui à la Casbah. Partagé avec sa famille. Ah oui, tout le monde. C'était la fête au quartier. Mm. Et il est resté jusqu'à la fin, avide de la scène. Mm. Et moi, ce qui me plaisait en lui, c'est d'abord il se donnait un statut d'artiste. Mm. C'était un artiste. Se donner un statut d'artiste. Un statut d'artiste, d'abord, vous le verrez, il est toujours tiré à quatre épingles. Mm. C'est-à-dire, quand vous le voyez, vous vous dites, c'est bien d'être artiste, c'est bien d'être chanteur, etc. Mm. En Algérie, vous vous dites, on gagne bien sa vie. Oui. Toujours tiré à quatre épingles. Mieux que ça. Il avait la manie d'avoir toujours des billets neufs. Mm. Quand il avait des billets anciens, il allait à la Banque d'Algérie et il changeait le billet. Mm. Donc, quand il tirait son portefeuille, il avait une générosité. Mm. Et l'envie de chanter, je crois que je l'ai vu chez aucun autre interprète. Ouais. Lui, par exemple, vous pouvez être dans un café, une terrasse d'un café, ou autour d'une réelle, vous lui parlez de chansons, vous parlez d'une performance de quelqu'un d'autre, il lui dit « moi, je suis capable de le faire ». Et il se met à chanter. Oui. Il se met à chanter comme s'il était sur scène. Il n'avait même pas besoin de micro ou d'amplificateur pour se faire écouter. C'est quelqu'un qui avait du coffre. Moi, j'ai assisté une fois, il m'a fait écouter une cassette à lui. C'était la musique qui était enregistrée, donc il a chanté. Je vous jure que
les vitres de sa voiture commençaient à vibrer. Ouais. Moi, c'est, il avait un coffre, c'est, hein, je fais un petit lapsus, il avait du coffre. Hein. Oui, c'est très puissant. Les artistes n'ont pas beaucoup de coffres. Et vers la... Bon, quand il commençait un peu à prendre de l'âge, sa femme lui demandait de prendre sa retraite. Il lui disait, tu veux ma mort. Ouais. Et ces artistes qui, comme tu l'as dit pour notre ami Krimou, c'est vrai, quand ils sont sur scène, c'est, ils revivent, ils renaissent. Mais dans la vie, Krimou... Ils renaissent. Ouais. Par exemple, j'ai vu un document privé. Ça aussi, c'est un point important. Il y a des gens qui ont des documents très importants, mais ils les gardent. Ouais. Ils les gardent pour eux, je ne sais pas pour quelle raison, alors qu'on peut faire des copies. Mmh. Il faut qu'ils les donnent. Je sais pas, il y a une adresse, ministère. Mmh. Il faut qu'ils donnent ces... Soit iconographie, soit audiovisuel, vidéo, etc. Oui. Soit audio. Oui. Il y a des enregistrements, il y a des gens qui ont des documents, même s'ils ne sont pas de qualité. Mmh. Mais ça reste un document. Oui. Ça reste un document. Ouais. Je voyais donc ce document de Gerwebi qui était déjà malade. La caméra l'a fixé quand il entendait d'autres chanteurs, écoutait d'autres chanteurs. Il avait la mine un peu fatiguée. Mm. Mais dès qu'il avait pris son mandole, on aurait dit qu'il avait rajeuni. Mm. On avait parlé, on parlait de ça, oui. Et l'artiste, tous les artistes, parce qu'ils ont un ego, parce qu'ils ont une autre vision de la vie, revivent quand ils se mettent au travail. On a parlé des gens qu'on a perdus ces derniers temps, mais Chérif Aghoun, par exemple, mon ami Chérif Aghoun, souffrait de ne pas travailler juste après, tourner juste après l'héroïne, il avait des projets. Le Rocher, etc. Absolument, il avait fait des films, etc. Il voulait toujours être dans l'action, il voulait être sur les plateaux de tournage. Et tous, qu'ils soient comédiens, quel est le comédien qui n'aimerait pas travailler? Oui. Ça n'existe pas. Quel est le chanteur qui n'aimerait pas être appelé pour des tournées ou chanter dans des galas, etc. Ça n'existe pas, et ça, bon, on a besoin d'un environnement meilleur. Oui, oui. Attention, notre environnement, il est un peu compliqué. Déjà, c'est compliqué d'être artiste en Algérie, c'est-à-dire que ce n'est pas encore accepté. Il ne faut pas croire qu'on a évolué dans la matière. Heureusement, aujourd'hui, il y a une nouvelle génération, sans complexe, il y a une nouvelle génération, dans le cadre du cinéma, par exemple, c'est eux qui nous décrochent aujourd'hui des prix à l'étranger. Oui. Ça fait plaisir. Mais ces gens-là ont besoin aussi d'un autre environnement. Quand je dis environnement, c'est-à-dire du studio, un financement, un intérêt des privés pour le financement de tout ce qui est culturel, des salles qui est de cinéma qui est active, ainsi de suite. Ouais. J'ai envie de vous offrir une chanson à vous deux de Mohamed Lamaré. J'adore cette chanson, je ne sais pas. Jazaïria, c'est magnifique avec Esmina. Et voilà, c'est un trio. Hein. Donc, c'est une chanson de Haddad Djilali qui a été. Qui a écrit le texte et composé la musique. Ouais. Les années 59. Oui, les années 59. Et c'est un hymne aussi à la femme et à la femme algérienne. Mohamed Aoui, je voulais vous entendre par rapport à Mohamed Lamaré, parce que la question aussi se pose à chaque fois. Vous me disiez que Krimou avait besoin, malgré les problèmes de la vie, il en avait lui, que ce soit les problèmes de santé ou des problèmes liés à sa capacité à subvenir aux besoins de sa famille, mais quand vous le faites sortir d'une manière assez, parfois évasive, je ne sais pas, est-ce que vous le faites brutalement comme ça, vous le sortez d'une manière rapide, il se transforme rapidement, aussi rapidement de... Ah oui, mais c'est tout à fait un autre personnage. Et même pendant les répétitions, il y a un moment où il répète et puis un moment où on le sent habité par le... Par le personnage, oui. Et c'est une deuxième transformation. Mmh. Alors, Krimou, moi j'aime bien les destins fragiles. C'est exactement le contraire de Mohamed Lamaré. Il était quelqu'un qui était dans la foule, il faisait des petits travaux, il a fait
Et comme on dit, 36 métiers, 28 misères, je ne sais pas l'expression. Mais c'est quelqu'un qui était très populaire. Oui. En fait, il vivait dans la vie de tous les jours et à sa manière, il a très bien décodé la société. Il n'en parlait pas en l'analysant, mais quand vous le mettez dans une situation, il faut jouer quelque chose qui se passe à Mbeida ou le Bayad ou quelque chose. Il a déjà les codes. Oui. Il a observé la société. Mmh. Et puis il a ingurgité. Et après, il vous le redonne en jouant. Oui. C'est un type incroyable. D'ailleurs, quand vous le voyez comme ça, vous lui parlez, vous avez l'impression que c'est un type complètement effacé, insignifiant. Mais sur scène, ça devient un tigre. Sur scène. Alors, concernant l'Amaré, moi j'ai des. Peut-être, il y a quand même quelques années de différence entre nous. Je suis jeune. Oui, c'est pour ça. Et donc, l'Amaré pour moi, ce sont des souvenirs un peu. Balak Jazairia, comment ça s'appelle, Che Guevara. Che Guevara. Oui. Mais c'était Afrique, pas. Ahia Kalbi. Ahia Kalbi, mais c'était pas vraiment mon époque à moi. Et comme mes goûts musicaux, c'était un peu plus anglo-saxon, même français. Donc, mais j'adorais ce type avec ce charisme. Ah, ouais. Il s'habillait et puis c'était un bel homme et une voix extraordinaire effectivement. Ouais, alors pour un peu mettre de la gaieté dans notre émission et pour justement permettre à nos téléspectateurs de se souvenir de cette belle époque, la chanson, de la production algérienne musicale, on regarde ça bien sûr avec notre réalisateur Nabil Télébéchou. من نظرة عينك سحرية عرفتي انك جزائرية من نظرة عينك سحرية عرفتي انك جزائرية ومن لحظة ظهر حاضري رمز الأديب والماء والداء ومن لحظة ظهر حضري رمز الأديب والماء والداء Ce sont de très très bonnes notes et belles images. Il n'y a pas un Algérien qui a vécu cette période de, je pense, c'est la fin des années 70, avec Boudjoumi Abdelazak, alors Kestration, un autre géant qui est parti sur la pointe des pieds, Yasmina, tous ces gens-là. Il n'y a pas un Algérien qui a vécu cette période et qui n'a pas de la bonne nostalgie. Parce qu'on rêvait et tout avançait devant nous, tout avançait.
Et puis voir la marée avec le costume qui. c'est extraordinaire. Très classe. Maintenant, tout cas, j'espère on se balade avec des bliras. Ce cadeau-là, c'est en guise de dire à nos téléspectateurs et à vous que l'année 2020 sera, j'espère, une année de réussite, de développement. On est obligé. Sur tous les aspects, dans tous les domaines, pour tout le monde. Et que l'Algérie, bien sûr, dispose de toutes les potentialités qu'il faut pour. Réussir ces challenges-là. C'est bien de revenir sur Boudjmez, ce qu'il a fait pour la moderniser, la musique algérienne. Il a même orchestré donc en symphonie d'Enouba et rappelé qu'il a travaillé avec des artistes et Jamal Alam a fait avec lui tout un album qui s'appelle Selimou. Avec Boudjmez, qui est un monument qu'on a vite oublié. Qu'on a vite oublié. Malheureusement, hein, parce que. Et il y a des milliers comme ça. Enfin, on a. Abdelbakrio aussi. Oui, je pense à Adman Harriouet. Oui. Un comédien comme Adman Harriouet. Sa filmographie se résume. Abdelbakrio, par exemple. Oui. Ah, c'est une perte sèche, Abdelbakrio. En plus d'être un excellent musicien chef d'orchestre, c'était un puits de savoir. C'est ce qu'on ne sait absolument. Pas. Il avait une culture mais incroyable. Culture de tout ce qui est philosophie grecque, poésie antique, etc. Moi, j'ai eu des discussions avec lui pendant... Et je l'écoutais. Moi, j'aime bien parler, mais je l'écoutais pendant des heures. C'était un puits. Lui aussi, il est parti comme ça. Et surtout, on n'oublie pas de rendre hommage et de présenter nos condoléances à la famille Mechkan, bien sûr, suite à qui est parti. Un grand monsieur de la photographie, donc un reporter photo qui a excellé à l'époque le matin à Révolution africaine et à Algérep. Et puis, moi, j'ai découvert en tant que directeur photo dans le film La Rivière. De Abdelnour Zahzah, et puis dans le film de Teguia aussi. Il a fait récemment assurer la photographie du film Sotra de Abdelnour Zahzah. Il avait une philosophie de l'image qu'on ne trouve pas, c'était pas juste quelqu'un qui appuyait sur un bouton. Il avait une philosophie derrière et une imagination, une poésie, et une idée derrière l'image. On va terminer, messieurs, rapidement avec, bien sûr, les ouvrages, c'est important, c'est ce qui compte et c'est les écrits qui restent et finalement c'est un support immortel, le livre. Alors, pour votre part, monsieur Abdelkrim Tazaout, on se souvient bien sûr de cinéma algérien, des films et des hommages, ça c'est 2014-15. Ah, les dates, je me rappelle. Moi, je me rappelle très très bien parce que je l'ai eu quand je commençais mes émissions, ça a été mon livre de chevet, parce que dedans on y retrouve bien sûr les films qui ont marqué la cinématographie algérienne, avec bien sûr les synopsis, la critique aussi relative bien sûr à ces films-là que vous avez choisi de nous présenter dans cet ouvrage-là. Il y a aussi un magnifique travail que j'aime beaucoup, cinéma algérien, où on retrouve les acteurs, biographies très très intéressantes sur des acteurs, genre Al El Mouhib, qui n'existe pas aussi beaucoup sur la toile, alors que c'est un immense comédien, adaptateur algérien, qui a formé beaucoup et qui a formé et qui a été excellent dans beaucoup de gens. Alors, voilà. Puis il y a quoi ? Il y a Elle, des voix algériennes. Ça, j'adore, parce que c'est un beau livre. C'est un nombre de femmes illustré, aux chanteuses algériennes. Toutes les chanteuses, Chiratatma, Remiti, toutes les femmes algériennes. Connues. Un choix. Toutes les chanteuses. Il faut le chercher aussi. C'est sorti chez les éditions Rafar. Bien sûr, on a vu tout à l'heure Gwebi ou le triomphe du Chabi. Aussi, c'est une immersion dans le monde de la musique Chabi avec, bien sûr, ce monsieur qui a révolutionné complètement la musique Chabi en Algérie. Le coup de cœur pour moi, sans oublier, bien sûr, les deux, la Marie et Jamal Alam. Voilà, le ténor de la Kasbah et Jamal Alam, bien sûr. Et puis, mon coup de cœur, c'est Brahim Izri. Voilà. Immense je ne connaissais pas, mais ce monsieur-là, extraordinaire, jusqu'à la fin
de sa vie, il continue à enregistrer malgré la maladie. Oui, il y a un album qui est inédit, qui n'est pas encore sorti. Ouais. Voilà. Ouais. Un grand monsieur. Voilà. Concernant justement Mohamed Bedaoui, Schiste et Mika, vous avez des titres improbables. Voilà, quand j'ai vu ce livre-là, je vous ai posé la question, mais c'est quoi Schiste et Mika? En fin de compte, c'est une sorte de magma. C'est-à-dire comment la raison, mais ne me dites pas comment ça s'est écrit. C'est un volcan en éruption de poésie. C'est de la prose poétique, donc c'est très hermétique. Je ne peux pas expliquer un tiers de ce qui est écrit là-bas. Voilà, c'est les escapades nocturnes de Monsieur Bedaoui. C'est une explosion qui s'est imposée à moi. Et ce qui est intéressant dans ce livre, je ne sais pas si on peut le voir à l'image, c'est que voilà, Mehdi Bardi Djellil, qui était un dessinateur aussi fou que l'auteur. Je n'osais pas le dire, mais aussi dingue que vous, illustre bien évidemment ce livre-là. Je préfère laisser comme ça la caméra. Est-ce que je peux tourner comme ça pour vous faire un petit peu découvrir les dessins juste avant, juste après. On reste comme ça, oui, il y a de la poésie. Mais là, par exemple, on a des dessins de ce genre que vous allez pouvoir découvrir dans ce livre. Et c'est franchement très, très beau. Et ça vous permet de vous évader car c'est original. C'est un peintre qui va compter, moi. J'ai l'impression dans le futur, il va compter ce garçon. Il faut voir, parce que là, c'est sur le livre, quand vous voyez une toile géante, c'est... Ouais. Il y a une bonne dédicace qui est prévue. Ah oui, demain. Genre, justement, là, merci. Merci. On ne pouvait pas oublier ça. Donc demain, si vous voulez découvrir ce que fait Bedaoui et justement découvrir Schiste et Mika, vous n'avez qu'à partir du côté de Parc de la Liberté, ex-Galant. Parc de Galant, c'est à quelle heure? C'est l'après-midi, à partir de 14h, comme ça. Je n'ai pas encore vraiment... Mais c'est l'après-midi. Donc, il faut profiter à la fois... Qu'il y a un endroit qui est un peu café littéraire, donc à découvert dans un parc magnifique, le Parc de la Liberté. Voilà. Donc, je vais faire une petite communication sur l'écriture. Mmh. Écrire pour qui, pourquoi et en quelle langue. Ouais. Et ensuite, pour ceux qui seraient intéressés d'acheter le livre. Voilà, deux en un, si vous voulez sortir demain, vous oxygéner, profiter de la beauté de ce jardin-là qui se trouve au cœur d'Alger. Et bien évidemment, retrouver notre ami Bedaoui, discuter avec lui et demander-lui de vous lire ses vers. Est-ce que vous pouvez nous lire quelque chose pour Je suis un piètre lecteur, mais je vais choisir peut-être le... Non, je ne vais pas choisir. Alors, voyage. Il faut partir. Et c'est le plus difficile. Mais lisez-nous juste pour finir l'émission. On va finir avec de la poésie. Il faudrait que je. Mettez vos lunettes. Il faut que je mette mes lunettes. Je vais chercher un autre. Bien sûr, choisissez le plus. Celui qui, que je trouve. Le plus simple. Il n'y a pas de simple. Il n'y a pas de simple. Il n'est pas si simple que ça, la vie de Mohamed Bedaoui. Elle n'est pas simple, bien sûr. Bon, disons un bon présage, allez. C'est bien. Parce qu'il y a quand même des textes assez sombres à l'intérieur. D'accord. Celui-là, je l'aime bien. Éclate, cruche, déverse ton lait, déverse ton beurre, inonde les bouches brûlées, noie les gorges arides, que ton liquide frais et onctueux apaise les poitrines en feu et pénètre les profondeurs des êtres, qu'il fasse pousser des tulipes blanches et roses aux pétales charnus, qu'il soit la sève d'un monde vert incrusté dans un corps bleu orné d'un ruban arc-en-ciel, éventé par une galaxie de papillons. Je veux aussi des cascades de miel qui irriguent des champs de friandises et des maisons en nougat, serties de noisettes dorées. Je sens déjà les gaufres et les crêpes au chocolat tiède, et j'entends des violons, des guitares et des harpes dialoguer avec des tambours et des bassons, couchés sur un lit de lavande, le cœur dans la soie, le front caressé par un zéphyr musqué, les cheveux mouillés à l'eau de jasmin. J'entends, je goûte, je partage, que la paix pleuve, averse et lave l'air de toute inquiétude.
de toute rancœur, de tout soupçon, qu'elle ruisselle sur les corps nus d'enfants joyeux, luisants de bonheur, sur lesquels se reflète un soleil odorant, juste avant que la lune et les étoiles n'éclairent leur sourire radieux. C'était un extrait, bien sûr. Bravo, de Chistémica, signé Mohamed Badawi, bien sûr, avec les illustrations du dessinateur Mehdi Bardi Djellil. Voilà, c'est la fin de cette émission. C'était très très court, mais en tout cas, j'espère que c'était intéressant. J'espère qu'on a essayé d'évoquer, bien sûr, nos artistes et l'importance de leur œuvre. Maintenant, je vous laisse avec. Voilà, on a choisi de présenter un épisode de la sitcom Pat Gazouz, Paul Azouz, parce qu'il y a beaucoup d'humour et beaucoup de positivité dans ce que dit Abdallah Ben Khalfala et moi avec ses comédiens. Il y a même Karim Zinasni qui est parti. Mais en tout cas, c'est une bouffée d'oxygène et c'est une bouffée d'enthousiasme pour nous tous. On regarde juste après l'émission. Merci de nous avoir suivis sur Canal Algérie. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Merci à Nabil Tlibesh et à toute l'équipe du studio. Sous le cavalier.